Bonjour, ici Tania Neveu. Bienvenue à 100% Témis. Aujourd'hui, sur le plateau de la Frite au Bec à Notre-Dame-du-Nord, on reçoit un couple très sympathique qui pratique deux disciplines différentes. Je m'initie à l'escalade et vous allez voir, c'est pas toujours facile. On vous propose une chronique littéraire avec Mathilde Manta. En musique, l'ensemble vocal de Notre-Dame-du-Nord, La Clé des Champs. Mais tout d'abord, ils sont les initiateurs de la toute première école de hockey au Témiscamingue, Janifé et Sacha Guimond. Janifé, Sacha, bonjour. Bonjour. Première école de hockey au Témiscamingue. Ça fait plusieurs années que tu chérissais ce désir-là d'avoir une école de hockey avec ton frère. Cette année, ça a eu lieu. De où ça sort, cette idée-là? En fait, ça fait plusieurs années là, qu'on s'en parlait comme ça, qu'on trouvait que c'était un besoin ici au Témiscamingue de faire une école de hockey. Puis, en fait, l'été passé, j'en ai reparlé à Sacha. J'ai dit, est-ce que ça te tenterait qu'on lance ce projet-là l'été prochain? Parce que vu que Sacha, dans le fond, sa carrière, c'est... Bien, son travail, c'est tout au long de l'année, mais l'été, il est ici, il s'entraîne. Donc, je trouvais que c'était un bon moment là, de faire une école de hockey. Alors, j'y en ai parlé l'été passé, puis il était d'accord, puis on s'est lancé dans le projet. C'est quand même un processus, un gros processus. Je pense que vous avez été surpris de l'ampleur du projet, là, parce qu'on ne parle pas juste de commencer ça un mois avant que l'école commence. Là, c'est quasiment un an, ça a quasiment pris un an de travail. Oui, là. Effectivement, là, dans le fond, dès qu'on a décidé qu'on se lançait dans ce projet-là, on a commencé en septembre dernier. Puis, dans le fond, ça l'a terminé là, quand que l'école a eu lieu. Mais c'est un projet, oui, qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, on a dû faire appel, en fait, au Carrefour Jeunesse Emploi, qui nous ont beaucoup aidés à travailler notre projet, à nous aider aussi sur le plan des communications, tout élaborer notre projet, notre budget et tout ça, la recherche des commanditaires. Donc, oui, ça a pris beaucoup de temps, mais on était très contents à la fin. 80 jeunes, finalement, qui se sont inscrits au camp. Est-ce que vous êtes surpris de l'ampleur du projet? Oui, c'est sûr. Comme que je disais, là, on s'attendait plutôt à un 40-50 jeunes environ. Fait que 80 là, pour une première année, je pense que c'était au-delà de nos attentes. On était vraiment contents là, que tout le monde au Témis s'embarque. Là. Est-ce que c'était des jeunes qui provenaient surtout du Témiscamingue? Oui, la plupart. Je sais même pas si on avait de l'Abitibi. S'il y en avait, c'était minible. Là, ça se compte sur une main. C'était pas mal tout du Témiscamingue, puis quelques autochtones. Est-ce que vous aviez sondé le terrain avant de mettre en place cette école-là, à savoir si vraiment il y avait une demande? Parce que, tu sais, on a beau avoir des idées des fois, mais il faut aller peut-être valider auprès de la population. Mm-hmm. Oui, c'est sûr qu'on avait regardé auprès de certains parents qui ont des enfants qui jouent au hockey. Donc, on leur avait demandé, puis eux, oui, ils trouvaient que c'était un beau projet, puis ils nous encourageaient, dans le fond, à le lancer. Puis on était vraiment surpris, puis contents que les parents nous fassent confiance, puis qu'ils inscrivent leur enfant, là. Autant comme ça, là, c'est un beau petit cadeau, puis c'est notre paye, là, en fait, à Sacha et à moi. Puis vous aviez toute une équipe derrière ça, vous étiez vous deux, mais il y a des collègues ou des gens avec qui que tu côtoies qui sont venus te donner un coup de main aussi. Oui, ouais, j'ai deux de mes amis de la ville qui sont venus m'aider, deux autres qui jouent au hockey, que j'ai joué avec dans le passé. Fait que il y avait ces deux-là, il y avait Youssef Boukari pour les entraînements physiques, Vincent Rivard pour les activités physiques. Fait que non, on avait une belle équipe puis ça a super bien été là, durant la semaine. Ça a été quoi les commentaires des jeunes ou des parents, des commentaires qui vous ont marqué puis qui ont fait « OK, là, on avait raison de mettre ça sur pied, cette école-là? » Ben, c'est une bonne question, là, mais tu sais, juste de voir à la fin de la semaine, tous ces 80 jeunes-là sont tous contents de venir jouer au hockey. Ils te demandent de prendre des photos avec eux autres. T'sais, c'est sûr que c'est le fun de voir ça. C'est là que tu dis, tu sais, je pense que... Je pense qu'ils ont eu une belle semaine et qu'ils étaient vraiment contents. Là. Fait que, c'est plutôt ça. Là. Puis, oui. En fait, les parents aussi, là, dans le fond, tous les commentaires qu'ils nous disaient, qu'ils avaient confiance à nous laisser leur enfant, ils venaient les porter le matin puis ils revenaient les rechercher le soir. Ils trouvaient que tout était bien, dans le fond, planifié. Ils savaient toujours où est-ce que leur enfant était à chaque moment de la journée parce qu'on avait envoyé
une horaire en fait pour chacun des enfants. Donc, je pense que les parents ils se sentent en sécurité. Puis, c'est ce qui a fait en sorte aussi là, que notre projet se tenait aussi bien. C'est que c'était bien planifié, bien structuré. Donc, Ça allait au-delà du sport. Hein. Je pense que, tu sais, oui, il y avait le hockey, ça prenait des passionnés de hockey pour être là, ça va de soi. Mais je pense qu'il y a eu tout un volet aussi, saines habitudes de vie. Il y a eu des conférences, entre autres, là, qui se sont déroulées. Oui, en fait, là, ce qu'on a voulu aller chercher, c'était tout l'aspect aussi, là, dans le fond, d'informer les enfants sur, dans le fond, les saines alimentations, sur les étirements, les échauffements. Donc, oui, on a eu plusieurs gens qui sont venus nous aider. Dans le fond, on a pris des conférenciers qui venaient du Témiscamingue. Puis, il y a aussi un ami à Sacha qui est venu nous parler d'un accident qu'il avait eu en voiture. Donc, ça a touché beaucoup les enfants. Puis, ils se souvenaient beaucoup du message qui était transmis pendant les conférences, qui nous étonnait beaucoup parce qu'à 80 dans une salle, on se disait, ça va être quoi l'impact? Puis les parents nous disaient que le soir, l'enfant était capable de répéter ce qu'il avait appris et retenu. Là. Donc ça, on était très satisfaits. Puis aussi, tu sais, il y avait le volet là, hors glace qui était fait par Youssef Boukhari. Mm-hmm. Puis il s'est beaucoup impliqué dans le projet. Donc toutes les activités qu'il faisait en gymnase, les enfants appréciaient beaucoup. Puis je pense que c'est un autre plus qui venait avec l'école. Donc... ça aussi, on était très satisfaits. Est-ce qu'il y aura une deuxième école, une deuxième année en 2017 de l'école de hockey Sacha-Guimont? Bien, présentement, je pense que c'est plutôt dur à dire. Il va falloir se rassurer. C'est sûr, je pense que si ça serait juste de nous, on dirait oui tout de suite. C'est plus de regarder avec la ville, puis les coûts de l'aréna, puis... T'sais, je pense que l'aréna, le lundi, il avait fait vraiment, vraiment chaud. La glace était moins belle. On a été chanceux le reste de la semaine. Il a fait beau, mais pas des grosses, grosses chaleurs. Mm-hmm. Fait que je pense que ça va être de se rassurer avec eux, là, puis essayer de regarder là, si tout fonctionne. Vous avez l'intérêt, là. Oui, on a okay. Beaucoup d'intérêt. On est content aussi là, de la première édition. On souhaite qu'il y ait une deuxième édition. Ouais. Mais en fait, là, hier, on a vu le maire, puis on est censé là, justement se rasseoir. Donc, on ne peut pas te dire si c'est confirmé aujourd'hui. Mais oui, c'est sûr qu'on va travailler fort. Puis je pense que la municipalité de Notre-Dame-du-Nord était très satisfaite, dans le fond, de la première édition. Donc, eux aussi, je pense qu'ils veulent qu'on se relance pour une deuxième édition. C'est bon. On a Sacha Guimont avec nous. On ne peut pas finir cette entrevue-là avant de parler de ce qui s'en vient pour toi. Tu as terminé ta saison avec les Wings de Kalamazoo. Maintenant, tu me dis que tu t'en vas du côté de l'Autriche. Oui, c'est ça. Je commence un petit peu là, ma carrière en Europe. Fait que je suis vraiment content. Je m'en vais en Autriche. C'est un excellent pays pour jouer au hockey. La ligue est très forte. Donc, c'est ça, je suis vraiment content de m'en aller là pour une première année, puis en espérant que tout aille comme que je veux. Tu avais eu quand même des bonnes blessures à l'automne dernier. Est-ce que là, tu es complètement rétabli de ça? Ça va mieux? Oui. Vois-tu, l'année passée, j'ai eu une saison assez courte. Là. J'avais commencé en février, mais j'ai eu aucune séquelle de ça en juin où tout est sous contrôle. Là. Comme que je dis là, aucune. Quand j'ai recommencé à jouer, là, mon bras il était 100%. Puis, fait que en parfaite santé. Bon, on va te souhaiter bonne chance. Merci à vous deux. Merci pour ce beau projet qui a fait vivre à 80 jeunes le hockey d'une façon différente. Donc, puis on va souhaiter une deuxième édition. Merci beaucoup. Il y aura un dossier complet dans le journal Le Reflet, prochaine édition, sur l'histoire du sport au Témiscamingue. Et on va se laisser en musique avec l'ensemble vocal La Clé des Chants. Et au retour de la pause, on rencontre un couple qui pratique deux disciplines. Nous voulons vous offrir de très beaux souvenirs afin que vous aussi vous continuez d'aimer la vie. Si nous sommes parmi vous, c'est pour vous faire chanter. Nous sommes de chez vous, nous voici arrivés. Nous voulons vous offrir de très beaux souvenirs afin que vous aussi continuez d'aimer la vie. Il faut se divertir et toujours se réjouir, aimer, danser et rire et
mélodies qui chassent vos ennuis. On oublie les soucis, chantons, aimons la vie. Si nous sommes parmi vous, c'est pour vous faire chanter. Nous sommes de chez vous, nous voici arrivés. Nous voulons vous offrir de très bons souvenirs, afin que vous aussi continuez d'aimer la vie. Nous les joyeux lurons, la musique nous aimons. Aujourd'hui dans vos cœurs, un peu de votre bonheur. Depuis notre tendre enfance, on chante et puis on danse. Pour nous c'est important, rien ne reste jeune longtemps. Si nous sommes parmi vous, c'est pour vous faire chanter. Nous sommes de chez vous, nous voici arrivés. Nous voulons vous offrir de très beaux souvenirs, afin que vous aussi vous continuez d'aimer la vie. Si nous sommes parmi vous, c'est pour vous faire chanter. Nous sommes de chez vous, nous voici arrivés. Nous voulons vous offrir de très beaux souvenirs, afin que vous aussi continuez d'aimer la vie. On est de retour à 100% Témis. Je vous le rappelle, on est diffusé en simultané à CKVM les dimanches à 18h. Mes prochains invités sont un couple dans la vie, mais pratiquent deux disciplines différentes. Robin-Pierre Bergeron, Mélissa Cardin, bonjour. Merci Hello. D'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ostéopathe de formation, physiothérapeute, donc un couple dans la vie, deux disciplines différentes. Est-ce que vous vous chicanez par rapport à votre métier? Je te laisse commencer. Ah, c'est bon, ça, de faire commencer la fille. En fait, non, mais je pense qu'il y a eu des moments où il a fallu redéfinir nos rôles en tant que professionnels. Je pense que oui, ça a été fait. Puis maintenant, depuis qu'on travaille ensemble, ça fait maintenant un an parce qu'on a couvert quand même beaucoup d'événements, on a appris beaucoup de la profession de l'autre, puis on est en mesure maintenant de se référer. Donc, on fait plus un travail complémentaire, les deux, puis une association qui s'est développée, contrairement maintenant à une chicane qui, avant, je pense que c'était vraiment par rapport à la définition, qui est plus présente là, actuellement. Parce que les deux sont très, très similaires sur beaucoup de points. Le travail articulaire, on le fait les deux. La mobilisation, tout ça, on le fait les deux. Là où ce que on a plus, en fait, axé sur nos forces. En ostéopathie, je vais faire beaucoup de travail crânien, beaucoup de travail viscéral, la mobilisation aussi. Ce que Mélissa fait aussi pour tout le corps, fait qu'il y a vraiment des points de rapprochement. Mais là où Mélissa devient très plus forte, c'est vraiment au niveau exercice, spécificité vraiment là des mouvements et tout ça. Fait que c'est là où vraiment là au lieu de focusser sur les choses qu'on faisait pareilles ou semblables, on devrait focusser sur qu'est-ce que moi je fais de bien, qu'est-ce qu'elle fait de bien. Fait que ça va vraiment chercher une bonne complémentarité, ce qui est le fun parce que là, maintenant, on travaille ensemble aussi. Là. Donc, il pourrait t'arriver à toi ou à toi de référer un client. Ah, définitivement. Dire, ben, va voir Mélissa ou va voir Robin-Pierre. Exactement. Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a une distinction vraiment spécifique entre l'ostéopathie puis la physiothérapie? Est-ce qu'il y en a une? Les deux, c'est de la prévention. Les deux, c'est aussi en fait autant préventif que curatif. Ouais. Préventif que curatif, parce que la majorité des gens qu'on va voir souvent, c'est des gens qui vont arriver en douleur. Ouais. C'est sûr qu'on travaille très fort pour le préventif. C'est là où Mélissa va être très bonne aussi dans le préventif, par les exercices. Ou en fait, après avoir traité le curatif, on va dire traité le problème, là, la force de la physiothérapie va vraiment être de donner les exercices, les étirements, le renforcement nécessaire pour éviter que ça revienne. Fait que c'est aussi une belle complémentarité qu'on a ensemble où, par exemple, quand moi j'ai un patient avec une certaine douleur, ou par exemple, on va prendre une épaule, exemple, je vais dégager l'épaule, lui donner de la mobilité, la personne va mieux, il y a moins de douleur, je vais souvent après ça la référer à Mélissa pour qu'il y ait un renforcement puis un suivi pour qu'après ça, le problème ne revienne pas. Le côté préventif est intéressant aussi, autant en physio qu'en ostéo, parce que les gens se pensent toujours, puis viennent souvent nous voir quand ça fait mal. Les gens ne pensent pas venir avant. On va parler d'une femme enceinte, on va parler aussi d'un sportif ou quoi que ce soit. Ce qu'on réalise finalement, puis même dans les études qui sont faites, c'est qu'il y a beaucoup de blessures qui arrivent dues à soit un mauvais contrôle musculaire, soit à des blocages qu'il y a déjà eu. Alors à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, c'est autant la personne qui dit hey, « moi, je veux venir en consultation en ostéopathie pour voir comment ça se passe, puis voir un peu, bon, ben juste me faire débloquer d'une certaine façon. » Donc ça, c'est intéressant.
Puis de mon côté, bien, c'est toute l'analyse au niveau postural, puis même au niveau aussi des forces musculaires. Donc, c'est de savoir, OK, est-ce qu'il est assez fort, tout ça, pour éviter de se blesser. Donc, ça aussi, on peut faire ça. Donc, la prévention à ce niveau-là, les deux, je crois qu'on l'a, mais d'une façon différente puis complémentaire encore une fois. Vous êtes tous les deux dans le privé. Vous pratiquez à la Coop Santé Témiscavi. Est-ce que ça se passe bien? Parce que toi, Mélissa, c'est quand même tout nouveau, oui. Là, ton arrivée avec... avec ta collaboration avec la Coop Santé, est-ce que ça se passe bien? Ça va très bien, même que je ne m'attendais pas à ça. Moi, je me disais, ben, ça ira tranquillement, puis ça va. Finalement, j'ai un super de bel accueil, autant de la population, mais autant aussi des médecins là-bas. Robin-Pierre aussi, la collaboration se fait bien, donc c'est sûr que ça a facilité aussi mon entrée au Témiscamingue, parce qu'on s'entend, étant native aussi d'une petite place, les gens séparent souvent bouche à oreille. Mm-hmm. On a bien beau faire de la publicité, si toutefois tu n'es pas bon nécessairement, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui est allé te voir et qui finalement ne te réfère pas à d'autres personnes dans son entourage, je doute en fait du potentiel de réussite. Tandis qu'ici, pour le moment, je n'ai rien à dire. Là, ça va vraiment bien et je suis vraiment contente de l'accueil que j'ai. Mais vous êtes des gens très impliqués aussi dans les événements sportifs. On vous voit un peu partout, que ce soit le défi de la 101 qui a eu lieu en juin, triathlon aussi. Ouais, sans rien. Donc, pourquoi décider de participer à ces événements-là? Parce que souvent, c'est du bénévolat aussi que vous allez faire. Là. C'est toujours du bénévolat dans tous ces événements-là. C'est pour le trip. D'abord, là, c'est sûr que d'être présent sur place, là, des événements comme ça qui roulent, et les gens, les athlètes qui participent, qui sont là, c'est le fun de traiter ces gens-là aussi. C'est sûr que nous autres, bon, inévitablement, ça nous donne aussi une belle visibilité. Oui. On se le cachera pas. Mais le défi de la 101, juste, c'était la troisième année cette année. Le trip d'être là, de suivre les gens qui courent pendant 17 heures de temps, les trois gars qui courent presque tout le long, Pierre, Marc, puis Stéphane, là, oui. D'être là avec... embarqué dans cet engouement-là avec ces gens-là, même chose pour le triathlon. On a fait aussi des marathons à Rouen l'année passée, la Trail des Géants à Sainte-Germaine aussi, là, que c'est 24 heures de course de trail. D'être vraiment là, avec les gens là-dedans, là, c'est un trip pendant qu'il dure une fin de semaine qui est trippant, là, qui est vraiment le fun en fait. Là. Tu es ancien athlète, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qu'on aime. Oui. C'est souvent quand les gens participent à des événements comme ça, puis qu'on arrive avant, puis ils nous disent hey, « j'ai mal un peu, on fait un tépin », puis ils sont capables de réussir leur objectif. Nous, en fait, c'est notre paye. Fait que finalement, on n'a pas besoin de... Ça nous fait plaisir d'être présent par rapport à ça, parce qu'on sait très bien que pour nous, si on l'avait fait, on aurait aimé ça que quelqu'un soit là pour pouvoir nous aider, pour pouvoir continuer puis atteindre notre objectif. Robin-Pierre, tu es originaire du Témiscamingue, ouais. Mélissa Latuc. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la fille est venue au Témis et que le gars il est pas parti à la TUC? On est contents, nous, d'avoir une nouvelle armante au Témiscamingue, là. Ben, c'est sûr que moi, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours dit que j'allais revenir au Témiscamingue. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cette volonté-là de revenir chez nous. Je l'ai faite, ça va faire maintenant 3 ans que je suis réinstallé au Témiscamingue. C'est sûr, quand on s'est rencontrés, elle est à Québec, moi, j'étais à Ville-Marie. Puis moi, j'avais déjà parti ma business ici là, depuis à ce moment-là un peu plus d'un an. Puis j'étais moins en position de pouvoir bouger. J'avais plus ou moins envie de bouger non plus. C'est sûr, là, l'ouverture était présente, mais pas large, okay. On va dire. Puis là-dessus, c'est sûr que Mélissa a été très, très bonne. Là, elle venait de finir sa maîtrise en physiothérapie. Fait qu'elle était un petit peu plus mobile, on va dire, là. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Finalement, j'ai travaillé fort. Ça va, ça va. Elle a commencé par arriver à Rouen d'abord. Elle a eu un poste à Rouen dans une clinique. Elle a travaillé un an à Rouen. Puis là, maintenant, on est au Témiscamingue depuis deux mois. Un mois travaillé, puis 2 mois là. Bien, vous êtes deux individus très sympathiques et un couple sympathique aussi. Beaucoup. On peut tous les deux aller vous rencontrer à la Coop Santé. Exact. Que ce soit physiothérapie, ostéopathie. Et Mélissa, on m'a dit que tu aimais l'escalade. Hein? Oui, bon. Beaucoup. Là, je vais vous présenter un reportage. Le reportage qui va suivre, moi, je suis allée essayer de faire de l'escalade. Par contre, on peut pas être bonne dans tout. Donc, je vous laisse regarder les images qui suivent où j'ai tenté de faire de l'escalade à la grotte de Ville-Marie.
Le Rappel du Nord est un club d'escalade qui existe en région depuis environ 5-6 ans. Puis nous, ici à Ville-Marie, ça fait environ 2 ans qu'on est présent. Là, moi, j'ai eu l'idée de développer les parois ici, pas loin de la grotte. Puis pour le faire, on s'est joint au club là, pour question de le faire d'un point de vue régional. Là. Ça fait 2 ans, donc c'est le deuxième été. C'est ça que vous allez offrir aux gens, de faire de l'escalade ici, près de la grotte. Il y a quand même un engouement, là, si on regarde les chiffres de l'année passée. Oui, bien, l'escalade au Québec est vraiment en ébullition. Là. On le voit beaucoup à Montréal, il y a des gyms d'escalade qui ouvrent un peu partout. Mais oui, en 2 ans, là, on a initié une centaine de personnes. Nos journées portes ouvertes sont toujours pleines à craquer. Là. On a eu, voilà 2 ans, on a fait une journée, on a eu 60 de personnes. Puis ça va ressembler à ça aujourd'hui aussi. Donc, les gens sont curieux. C'est pas tout le monde qui va avoir la piqûre la journée même. Il y en a que oui, il y en a qui reviennent. Fait que, tu sais, c'est un sport accessible aussi. Il y a autant des enfants là, à partir de 4-5 ans. Puis notre journée d'initiation l'année passée, on avait une dame dans les 70 ans. Fait que, c'est vraiment accessible à tout le monde. On a un super beau site aujourd'hui, ici, près de la grotte à Ville-Marie. Est-ce qu'il y a plusieurs endroits potentiellement accessibles pour l'escalade au Témiscamingue? Au Témiscamingue, il y a énormément de potentiel. Là. Il y a des belles parois. Je pense au Rocher du Diable qui est fréquenté un peu par des grimpeurs expérimentés. Il y a des parois dans le coin de Fabre qui sont déjà un petit peu fréquentées par certains grimpeurs. Mais officiellement, c'est le seul site qui est géré par un club. Puis qui a été développé selon les normes là, de la Fédération québécoise de montagne et d'escalade. Fait que ça assure une certaine sécurité. Puis nous, on est là avec l'équipement de sécurité aussi 2 fois par semaine pour assurer les gens. Puis, dans le fond, on a commencé par ce site-là ici, à la grotte de Ville-Marie, parce que c'est facilement accessible. C'est à 5 minutes de marche à partir du stationnement de la grotte. Donc, c'est un super beau site pour initier des nouveaux grimpeurs. C'est 15 mètres, donc c'est une belle hauteur. Tu sais, c'est pas... c'est quand même haut pour commencer, là. Il y a des gens qui vont avoir le vertige, mais c'est pas une paroi de 100 mètres là, non plus. Fait que, c'est un beau terrain de jeu pour commencer à faire de l'escalade. Tout au long de l'été, on est là 2 jours semaine, soit les mercredis de 13 à 21h, puis les samedis de 10 à 17h. Donc à ce moment-là, on installe des cordes. Ceux qui ont déjà de l'expérience d'escalade en gym peuvent venir utiliser les cordes de façon autonome. Sinon, on offre l'initiation là, pour 15$, donc c'est vraiment abordable. C'est une initiation d'une demi-heure à 1 heure là, par personne environ. Puis on donne des formations aussi, ceux qui ont la piqûre. Là. On a une formation de base qui te permet d'utiliser les cordes qui sont déjà installées. Ou une formation complète sur 2 jours qui te permet vraiment d'être autonome. Là. Une fois que tu as ton équipement, tu peux venir quand tu veux sur le site. Puis il y a toujours moyen de réserver aussi nos services là, en tout temps pour des activités de groupe, des entreprises qui voudraient faire du team building ou des groupes de jeunes, des groupes scolaires. Bon, moi je suis journaliste de formation. On m'a tout le temps dit, pour être une bonne journaliste, va sur le terrain, essaie les choses. Donc, je vais essayer cet après-midi. Qu'est-ce que ça prend comme aptitude physique, mentale, peu importe? Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour bien grimper aujourd'hui? Là, je vais essayer de tout avoir ça. Ben, c'est sûr que ça prend une bonne forme physique quand même. Il faut pas besoin d'un entraînement intensif, mais faut une certaine forme. Mais c'est surtout la confiance. Confiance en soi, confiance à la personne qui t'assure aussi, confiance en l'équipement. Fait qu'à partir du moment où tu as confiance... Il y a des voies assez faciles que n'importe qui peut pratiquement réussir. Là. Puis il y en a des plus difficiles pour ceux qui ont besoin de plus de défis. Là, mais... Et si j'ai le vertige? Il y a des gens qui font de l'escalade pour combattre le vertige. C'est sûr qu'une fois que t'es bien attaché, souvent ça aide à diminuer le vertige. Donc, ça prend des souliers, un harnais. Tu vas m'installer ça puis on va y aller? Oui, exact. L'équipement de base, c'est souliers d'escalade qui sont pas obligatoires, mais qui donnent un bon coup de main pour l'adhérence. Harnais pour la sécurité, la corde, le casque, puis on est parti quand t'es prêt. Merci Frédéric. Vas-y. C'est pas les souliers les plus confortables, mais ça fait une belle différence. Oui, hein? Mais là, ça va être quoi, mais tu vas m'aider, Ah ouais, je vais te guider un peu. Mais non, je te tire pas, par contre. Mais non, mais comment tu vas glisser? Il y a même pas de... J'ai même pas de... OK,
fait qu'il y a la communication aussi qui est importante. Oui. Imagine qu'on va communiquer. Ouais. Elle shake un peu, là. Ah ouais. Quand t'es prête, tu me dis prête à grimper. OK. Puis moi, je vais te répondre que t'es assurée. OK. Puis là, tu, quand tu y vas, tu dis départ. Mais en tout cas. Avant que tu sois rendu trop haut, on va pratiquer la position de descente, tout ça. Okay. C'est assis pas mal, hein? Ouais, c'est ça. Tu tiens ta corde, tu t'assois dedans, okay. Les pieds à plat sur la paroi. Okay. Fait qu'on le pratique avant d'être rendu en haut, parce okay. que des fois, certaines personnes bloquent rendu en haut. Okay. Fait que ouais, le départ, là, ici, tu peux mettre un pied là, okay. Tu vas en mettre un là. Tu as des prises pour les mains de ce côté-là. Okay. Fait qu'attends. C'est dur, là! Ouais, quand même! Mais c'est parce que c'est. On va pratiquer. C'est déstabilisant, là! Ouais. On va pratiquer la position de descente avant que tu sois rendu trop haut. Ok. Fait que je vais tirer tout le lousse dans la corde. Là, on dit que la corde est à sec. Tu peux t'asseoir dans ta corde. Je vais descendre si je m'assois? Ben non, tant que moi je te descends pas, tu descends pas. Tu peux tenir la corde avec tes mains. Puis là, mets tes pieds plus larges pour être plus stable. Puis essaie de les monter à la même hauteur que ton harnais. Ok, comme ça maintenant là? Ouais. Comme ça? Tu veux vraiment avoir les pieds à plat. Les comme deux ça? Pieds. Ouais, c'est ça. Okay. Puis là, je te descendrai, tu fais juste marcher à reculons. Ok, comme ça. Ben, je te descendrai pas plus là. Je vais te laisser monter. Ah, je peux. Ouf! Si tu réussis à te mettre debout là, sur ta jambe droite, ouais. tu vas trouver des nouvelles prises. Iiii! Moi, je suis plus bien là, pour vrai. C'est-tu grave si je grimpe pas jusqu'en haut? C'est pas grave. Non, mais je vais le dire que j'aime ça là! Ouais, mais. Ouf! Je sais plus quoi faire! Tu peux prendre un break aussi si tu veux. Ouh! Je vais te mettre à sec. Quoi ça veut dire? J'ai tiré toute la lousse dans la corde. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de toi. Tu veux redescendre? Ben moi, je pense que je redescendrai. Ouais? Ok, bon ben allons-y. Hey, je suis quelqu'un de téméraire là, pourtant je comprends pas. Bon, comme vous l'avez constaté, j'ai échoué. Par contre, je tiens à dire que c'était une super belle expérience, qu'on sort de notre zone de confort. Ça, que c'est là que je trouve ça intéressant. C'est difficile physiquement, bien pas tant physiquement, mais sur les doigts, les articulations. Et je suis contente de l'avoir fait. J'invite les gens à le faire. Et en même temps, j'en profite pour vous parler d'un projet qu'a le Rappel du Nord. C'est d'instaurer, d'ériger un mur d'escalade à l'intérieur de l'école Saint-Gabriel. Donc, ils sont en recherche de financement présentement. Il y a 15 000 $ d'amassés sur un total de 40 000. Donc, c'est un beau projet qui va pouvoir profiter aux jeunes et aux moins jeunes dans les mois qui suivent. Oh.
C'était la Clé des Champs avec leur magnifique interprétation de « Partons, la mer est belle ». Notre prochaine invitée est une passionnée de lecture et on est chanceux puisqu'elle va nous proposer ses plus récents coups de cœur. Mathilde Mantin, bonjour. Bonjour. Passionnée de lecture depuis quand? Depuis que je sais lire, je dirais, et depuis que je sais écrire, là, l'écriture est venue en même temps que la lecture dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai quand même délaissé pendant une certaine période, là, vers la fin de l'adolescence, par contre, pour renouer davantage quand je me suis inscrite au programme d'art et lettres en littérature à Rouyn-Noranda. Et puis là, avec le cours de création littéraire, là, je suis vraiment retombée dans les mots, dans les lettres. Puis depuis ce temps-là, là, c'est vraiment, c'est plus que juste un intérêt, c'est vraiment une passion. Tu lis et tu écris aussi. Il y a un projet d'écriture en cours. Oui, en fait, j'écris des courts textes sur un blog, vraiment des créations littéraires. C'est de la poésie, des nouvelles littéraires. C'est sûr que c'est vraiment sans prétention. Là. C'est quelque chose que je fais assez spontanément. C'est des textes qui sortent, qu'il faut que ça sorte. Donc, ça sort et je les publie sur mon blog. Vous pouvez me suivre sur Facebook, d'ailleurs, là, aux éditeurs, si vous voulez. C'est tout simplement Mathilde Manta. Vous pouvez aller aimer ma page puis vous allez avoir accès à mon blog de par cette page-là. Et est-ce que tu as un projet de roman aussi qui est en cours? Oui, j'ai plusieurs projets. Okay. Là, mais j'ai pas réussi à trouver l'espace là, dans ma vie pour concrétiser ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs idées qui se bousculent dans ma tête. Puis il y a plusieurs projets là, dont quelques chapitres peuvent être écrits ou des projets de recueil de poésie ou de nouvelles. Là, mais il n'y a rien de concret là, pour l'instant. Mais c'est sûr que dans les prochaines années, là, j'ai envie de me consacrer à ça parce que... L'écriture, ça prend vraiment une place énorme dans ma vie. Là. Puis c'est presque viscéral, en fait. Donc, c'est certain que dans les prochaines années, je vais continuer à travailler sur ce projet-là pour peut-être finir par publier, là, ce qui est mon rêve ultime en ce moment. Est-ce qu'il y a un style qui te plaît plus qu'un autre? J'ai toujours de la difficulté à répondre à cette question-là parce que, en fait, dans mes lectures, c'est beaucoup l'émotion. Là. Il y a des romans comme ça qui nous parlent, peu importe le style. Mais j'ai vraiment un penchant là, pour les trucs qui sont bien écrits. Là. C'est beaucoup la forme, des fois plus que l'histoire qui m'accroche. Les mots? Oui, le style. Quand c'est poétique, moi, ça me parle beaucoup. Ça m'accroche particulièrement. Là. Okay. On va parler de deux livres que tu as lus récemment. Oui. Le premier... Demoiselle Cactus de Clara Brunet-Turcotte. Et j'ai bien aimé parce que tu nous as fait une petite description et tu disais si j'avais une odeur à donner à ce livre-là, ce serait du remover. Oui, tout à fait. Pour mettre en contexte un peu, c'est un roman que moi, je définis comme un roman féministe. C'est la voix d'une jeune femme là, dans la vingtaine qui souffre de troubles alimentaires. Là, il y a toute l'influence de la société qui vient beaucoup jouer sur cette femme-là, mais sur plein de femmes aussi, là, qu'on croise dans le roman. Puis je disais le remover parce que cette jeune femme-là, elle utilise beaucoup les codes féminins, comme le rose, les paillettes, mais elle est démolie. Fait que c'est comme ça, un peu, l'image du remover. Il me semble que ce livre-là sentait ça parce que, justement, il y a comme le vernis qu'on s'applique pour... Puis après ça, c'est l'odeur qui fait disparaître, puis... En tout cas, je sais pas pourquoi, là, des fois, j'ai des drôles d'agencements d'idées, mais ce livre-là, ça me... je trouve que s'il y avait une odeur, définitivement, ça serait ça. Et puis l'écriture, elle est très belle. Là aussi, c'est assez poétique dans l'écriture. D'ailleurs, cet auteur-là, elle avait publié un recueil de poèmes précédemment. Ça se sent vraiment dans l'écriture. C'est ça. Puis il y a tout ce côté-là de la critique sociale qui vient avec ça parce que sa maladie, elle veut pas, ça vient vraiment interférer dans sa vie, dans comment elle gère son quotidien. Et puis d'ailleurs, cette jeune femme-là, elle vit avec un copain, son amoureux, mais c'est pas vraiment... Il n'y a pas de relation amoureuse. Il n'y en a pas. Ils font chambre à part. Puis lui est beaucoup plus vieux qu'elle. Elle, dans le fond, la source de sa maladie, c'est beaucoup aussi de vouloir rester jeune, de refuser la vieillesse. Il y a beaucoup de ça. Puis, tu sais, notre société, c'est tout mais à c'est fait ça. C'est des réalités, c'est le là. Culte de la jeunesse éternelle, ce qui est complètement utopique.
Et puis là, elle va se rendre compte, elle va découvrir des choses d'un espèce de passé noir, mais même un présent là, qui n'est pas très valeureux chez ce garçon-là. Puis il va avoir comme cette quête-là qui va vraiment... Qui forme le schéma narratif. Là. On va apprendre qu'est-ce qui se passe du côté de son chum, qui est plus un coloc en fait. Et puis ça va vraiment la confronter à ses propres problèmes, là, de réaliser qu'est-ce que lui, je vous en dirai pas plus, là, mais ouais. qu'est-ce qui se passe dans sa vie à lui. Alors voilà, c'est vraiment un roman qui se dévore. Là. Je l'ai lu en moins de 2 jours. je pense que pour l'été, là, ça, quand on a beaucoup de temps pour s'asseoir puis prendre le temps de lire, ça se prête très bien à ça. Là. Donc, sujet lourd, humour noir, on le recommande. Je rappelle le titre, Demoiselle Cactus de Clara Brunet-Turcotte. Oui. C'est une recommandation de Mathilde Manta. Exactement. Deuxième suggestion, Charlotte de David Funkinos. Et tu disais, je suis encore bouleversée par ce livre-là. Oui, puis là, j'imagine que je vais encore avoir de la misère en en parler parce que ce roman-là m'habite depuis que j'ai été...